Voilà, c'est le Kid Red, on s'est préparé toute l'année pour ça. Il fait beau, on est bien, on a plein d'enfants, tout va bien. Troisième participation, donc un grand plaisir, on est là, on revient chaque année avec un grand plaisir. Je viens un peu pour toutes les épreuves, mais j'aime bien la tyrolienne et la course à pied surtout. T'es chaud ou pas alors, Milo? Ça va, j'ai pris un sirop de pêche pour avoir la pêche, mais... Voilà, et moi aussi, mon fils a la pêche et j'ai grave la pêche. Je voulais vous dire, vous étiez 99 équipes au départ, donc ça fait 198 concurrents. Vous avez 70 bénévoles et 18 sapeurs-pompiers sur le parcours pour vous encadrer, vous orienter. Donc vous n'êtes pas tout seul, vous trouverez toujours un bénévole à votre disposition. Ça fait vraiment plaisir de voir des journées comme ça. Je vous souhaite bonne chance à tous. 5, 4, 3, 2, 1... Ça y est, c'est la première. Ça y est, c'est la première, on l'a trouvé. Super. À tout à l'heure. Ouais, c'est comme on avait dit tout à l'heure. C'est juste parfait. Et à chaque balancement, tu vas chercher l'autre anneau. Voilà. Va chercher l'autre, plutôt que de faire un par un. Va chercher le suivant. Non, c'est... Chacun sa méthode. Allez, champion. Oui, oui, champion. Pour finir, Thomas. Ouais. Eux, ils ont joué, ils ont trois garçons. Allez, allez. Bien.
fait un peu chaud. Et tu te plains ? Moi je suis d'accord, hein, moi je suis d'accord. Normalement, on doit avoir un petit peu de pluie, comme demain. Alors comment vous, comment vous le vivez cette, cette première partie-là ? Très bien. Ouais, c'est marrant. C'est marrant ? Oui. Pourquoi ? Bah, parce que il y a des jolis paysages. Et voilà. Mais c'est parce qu'il y a des gens marrants qui nous interviewent. Ah oui. Ben, en tout cas, ils ont l'air en forme là. Après, on verra les derniers s'ils sont aussi en forme. Mais sinon, oui, ils ont l'air de bonne humeur et avec le beau temps, c'est normal. Comment ça va ? Comment ça se passe, Maï ? Un peu fatigué. Espérons que pour demain, ils vont se tromper pour qu'il fasse beau comme aujourd'hui. Voilà. Le circuit il est assez costaud pour les petits. 40. Top. Merci. Bonjour. Bonjour. Là, on arrive trop chaud. Ah, on se croit en plein été là.
On attend les boulets derrière, c'est pour ça qu'on est un peu en retard. Les boulets père et fils, vous allez les voir tout en noir. Voilà. C'est où nos gros boulets? Encore finir premier cette année, fait chier. Vous pouvez te bien, vous pouvez vous régaler. Ah, c'est super. Le temps est extra. Hein ouais, on capite bien, c'est le top. Ah,
Et le vélo, pas mal, hein. Moi, très bien, très bien, très bien. Bien technique. La course à pied, bien aussi dans la montée. Et le vélo agréable en descente. Beaucoup de cailloux, mais ça c'est fait. Impeccable, nickel, ouais, ouais. Ça s'est bien passé. Bon, c'est un peu caillouteux quand même. Ouais. Hein. Il y a des cailloux dans l'Ardèche. Voilà, c'est bien, c'est bien. Allez, go, 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 go. C'est le parcours de sapeurs-pompiers en facilité en fait, en plus simple. Le but c'est d'arriver à faire passer deux poids et une commande en faisant ça. Et voilà. Tout ça en chronométrant. Okay. C'est quoi les difficultés un peu de ce parcours? C'est les poids et aussi l'endurance, ce qui peut être assez endurant. On a la solution pour viser juste. Le point jaune, on imagine que c'est ta prof de français. Ouais, ouais. Ça, c'est de là, là, là. Ça fleurit, il était là. Ça, c'est quoi? Mais tu viens de le trouver, c'était du thème. Ah, c'est le stand environnement. Donc du coup, c'est vraiment, on essaye de montrer un petit peu ce que les gens n'auront pas la chance de voir sur le parcours, parce que déjà il y a beaucoup de monde et puis qu'ils sont speed, et puis que c'est souvent des animaux qui sont dissimulés sous les pierres ou cachés. Donc là, l'idée, c'est qu'il y a deux petits ateliers où on montre un petit peu. Alors il y a des crânes, il y a des feuilles, il y a des pattes, il y a des bouts de bois, enfin il y a tout ce qui peut rappeler finalement la faune qui se cache dans la garrigue ou aux alentours de la gorse. Et après, on a essayé de montrer la garrigue végétale sous un autre regard, où on a agrandi en fait des coupes microscopiques de plantes et on essaye de faire correspondre des branches, par exemple le thym qui est plutôt grisâtre, quand on le voit en coupe microscopique, il est super coloré, on voit les capsules d'huile essentielle, donc voilà, l'idée c'est de montrer un peu les choses différemment, sachant que c'est quand même sous nos pieds. Dites-moi plein de choses sur la faune et la flore. Donc là on a pris la mue de la vipère, non de la couleuvre vipérine. La couleuvre, c'est ça, couleuvre vipérine, les pattes du renard, les pattes de... Et toi t'as pris quoi alors? Pareil, plein de choses, et intéressantes surtout.